Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des motivicides. Vous savez, les motivicides, c'est ces phrases un peu cash parfois là, qui sont évoquées par des gens de notre entourage quand on est amené à leur faire part de certains de nos projets et qui sont finalement ouais, des phrases qui viennent briser notre motivation si on se laisse envahir par ces phrases. Alors évidemment, c'est de pouvoir prendre conscience aussi que ces phrases qui sont évoquées par les gens que l'on croise, eh bien, elles sont le reflet de leur peur, elles sont le reflet de leurs propres limitations, elles sont le reflet finalement de tous ceux qui ne sont pas encore aptes à faire eux-mêmes. Alors quand on amène à parler de nos projets, ça les confronte à leurs propres limites. Et donc il y a ces phrases qui peuvent être exprimées. Alors, c'est surtout la question, c'est surtout à nouveau, c'est de quelle façon est-ce que ces motivicides vont impacter quelque chose chez moi? Quelle place je leur laisse en moi? Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, bien sûr, c'est de ne pas écouter ces motivicides, de bien prendre conscience que ces phrases, ce ne sont pas les vôtres, elles ne sont pas le reflet de vos limites, mais elles sont le reflet des limites de la personne qui vous les donne. Et de bien faire le distinguo entre les deux pour rester aligné à votre projet. Alors, ce qui amène presque cette réflexion de se dire que parfois, il peut être intéressant de garder certains projets en nous, de ne pas les exprimer pour ne pas être confronté à ces motivicides. Et en même temps, eh bien, je crois que quelque part, ces personnes, elles nous font un cadeau en nous mettant face a peut-être encore des restes de ces limites qui finalement nous appartiennent un peu, parce que si elles ne nous appartenaient pas du tout, elles ne nous impacteraient pas du tout. On les laisserait glisser, on ne les écouterait pas. Et en même temps, si elles viennent nous chercher à l'intérieur de nous, c'est que sans doute il y a encore des parts de nous qui sont en résonance avec ces propres limites-là que les personnes nous expriment. Alors si jamais vous étiez amené à être confronté à certains motivicides, je vous invite à observer ce que ça vient réveiller chez vous, comment ça agit chez vous. Est-ce que, en effet, ça glisse? Est-ce que ça vient titiller quelque chose? Et de quelle façon est-ce que vous êtes apte à aller au-delà pour rester centré sur votre objectif et sur ce qui vous anime profondément? Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.